Allez, pousse. Une promenade. Allez, 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 monsieur Rockstar. Vas-y. Ah, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Tu as déjà faim? Oui. Oui. D'accord. Allez, on va manger dans ce cas. Il fait beau aujourd'hui. T'as pas pris ta baguette magique? T'as pris que le collier? Allez, viens. Je voulais pas partager avec maman tout à l'heure. Tiens. Et la prochaine fois, tu vas partager? Oui. Bon. Merci. Tata. Bon appétit. Merci, ouais. Tu lui as donné une grande? Tu as partagé? Ah, il a partagé avec toi, papa? Tu as de la chance, dis donc. C'est le bus qui est bloqué. Allez. Une petite promenade. Une petite promenade. Les barbecues. On retrouve bien bien après, nous sommes plus le même jour. Encore avec Jeanne en voiture et du coup là on part pour une soirée entre femmes. Une soirée, une après-midi, il est très exactement 13h48 et ça commence à 14h. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai été dans un restaurant avec une ambiance orientale. Hier avec ma mère, mes tantes, JN et une copine à maman, avec ma cousine et tout, et c'était super. D'ailleurs, j'ai essayé de vous filmer un maximum sur Insta pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Si jamais je retrouve quelques images, je vous les mettrai ici. Du coup, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer l'endroit où on a été la veille. Donc, c'était un restaurant où nous sommes partis que entre femmes. C'est un restaurant vraiment avec une ambiance très très familiale. Je pense que beaucoup d'entre vous, à mon avis, vont apprécier ce genre d'endroit ou peut-être cherchent déjà ce genre d'endroit. Puisque quand je voulais partager sur Instagram, j'ai eu tellement de questions, mais tellement de questions. Je me suis dit, c'est obligé, il faut que je vous partage un peu plus en détail, que je vous dise vraiment ce que j'en pense. Nous, c'était la toute première fois qu'on y allait. Nous sommes partis, nous étions 8. Oui, on était 8. Il faut absolument réserver à l'avance. C'est très très important. Ils n'acceptent pas sans réservation. Et puis de toute façon, vous ne trouverez pas votre place. Il faut réserver au moins 2-3 jours à l'avance si vous voulez avoir une place pour pouvoir y aller. Parce que ça va très vite. Le restaurant n'est pas extrêmement grand. Donc il se remplit quand même assez vite. Alors, du jeudi soir au dimanche soir, il y a une ambiance avec de la musique, etc. Et le samedi soir et le vendredi soir, il y a en plus de ça une danseuse orientale. Donc il y a un DJ, c'est pas un DJ, c'est un chanteur qui a son piano devant lui, qui chante, qui fait de la musique. Vous pouvez lui demander une musique si on a une qui vous dit un peu plus. Il fait de l'oriental, du tunisien, marocain, algérien. Il a même fait des musiques, il me semble, saoudiennes parce que ça lui a été demandé. Il a fait de la musique irakienne parce que ça lui a été demandé. Voilà, qui chante super bien franchement, et c'est une ambiance 100% familiale. Quand vous réservez, quand on a réservé, on nous a demandé de payer 10€ par personne, et ensuite quand vous arrivez sur place, vous rajoutez en plus 25€. Donc en fait c'est 35€ par personne, buffet à volonté, donc buffet 100% marocain à volonté. Nous on était ravis pour le prix, on trouvait ça très raisonnable. Là je suis partie comme je vous disais qu'entre femmes, mais j'ai bien l'intention de y retourner avec mon mari et même les enfants.
Voilà, j'ai bien envie d'y retourner avec les enfants. Ouais, il adore danser. Donc je me dis, je sais pas si d'ailleurs, je sais pas si c'est les mêmes prix pour enfants et pour adultes. En tout cas, nous, pour adultes, on a payé 30. C'était pas 35 € pardon, c'était 36 €. 36 € par adulte. Et pour enfants, je ne sais pas, donc faudrait demander. Mais il y avait deux enfants quand même. Il y avait deux enfants. Donc voilà, c'est une ambiance très très sympathique. Je pense que beaucoup doivent rechercher la danseuse orientale, ce que je peux comprendre. Il y en a que ça peut déranger. La danseuse orientale, elle est là que le vendredi soir et le samedi soir. Il me semble à redemander que le vendredi soir et le samedi soir et jeudi soir et dimanche soir, elle y est pas. Parce qu'en fait, il y a que ces quatre soirs-là où vous avez de la musique et tout le monde danse. Vous n'avez pas des groupes d'hommes. En tout cas, nous, on n'en a pas vu. Quand il y avait des hommes, ils étaient là avec leurs femmes. Vous n'avez pas des groupes d'hommes. Vous n'avez pas des. Il n'y a pas de chicha. Voilà, il n'y a pas de chicha. Pour ceux qui n'aiment pas les ambiances chicha, etc., il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment une ambiance très familiale. Nous, on a beaucoup, beaucoup aimé et on y retournera avec plaisir. Je vous partage du coup l'adresse en barre d'information. Alors, si vous voulez réserver, ce n'est pas par téléphone. Par téléphone, c'est que les renseignements. Moi, j'ai appelé, j'ai pris tous les renseignements par téléphone et ensuite, j'ai réservé sur Internet. Vous n'avez pas d'autre choix, en fait. Ils ont un site, vous devez aller sur leur site et réserver. Donc voilà tout, j'espère en tout cas que j'ai été la plus claire possible, mais en tout cas c'est un très très bel endroit, c'est très simple, la nourriture est faite maison donc c'est hyper bon, ça va très très vite, la nourriture part très très vite et la soirée commence, alors nous on est arrivé, il était 21 h, on a réservé pour 20 h 30 et on était en retard, on est arrivé à 21 h et la musique s'est arrêtée, il était 1 h du matin, donc en fait on est parti quand la musique s'est arrêtée. Clairement. Donc à 1 h du matin, ça y est, il n'y a plus de musique. Et le resto ferme à 2 h, mais entre 1 h et 2 h, en fait, ils rangent. Oui, il n'y a plus rien à faire. Ils vous disent c'est jusqu'à 2 h du matin, mais en réalité, ça ferme à 1 h du matin. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai pu vous donner une bonne adresse. Il me semble, alors je sais plus, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est à Saint-Ouen. Il y a les travaux près de chez moi et ils décident de s'y mettre vraiment quand je suis en train de vous parler. Bon, allez, c'est parti du coup. On y va pour la deuxième journée. Et aujourd'hui, enfin ce week-end est très très ambiancé. Et aujourd'hui, on va dans une après-midi 100% femme. Donc je vous mettrai l'insta de la personne qui l'organise. Et en fait, elle fait des après-midi comme ça où il n'y a que des femmes. Ce qui veut dire 100% femmes. J'ai du mal aujourd'hui. Je suis très fatiguée. Hier, on est rentré très tard et je suis très très fatiguée. Et en fait, il y a de l'ambiance, il y a de la musique de toutes sortes, orientale, de vraiment de toutes sortes, de toutes sortes. Et du coup, c'est pour les mamans qui peuvent peut-être pas sortir le soir, qui doivent rentrer tôt. Donc, c'est de 14 h à 18 h et elle fait ça une fois par mois. Donc, on a décidé de tenter. Je suis avec Jeanne, mais on va rejoindre quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il va falloir que je l'appelle. Ah bah elle est là. Je la vois. Coucou. Je parlais de toi. J'étais en train de parler de toi. Je suis avec Imen. Vous la voyez arriver juste là. Je l'ai reconnue parce qu'elle m'a envoyé sa photo hier de la tenue qu'elle allait porter. Et en fait, il y a un dress code aujourd'hui orange. Donc moi, je suis habillée en blanc en haut et j'ai un pantalon orange. Coucou. Elle est là. Elle est là. J'étais en train de parler de toi et là tu débarques. Ouais, je t'ai klaxonné, tu m'as même pas entendu? Non. Juste là-bas en fait. Il y a des places pour se garer tranquille. Parce que là, Ah t'es. bon? Merde. Bah ouais, mais là je peux pas faire demi-tour là. C'est un sens unique. Ah oui, j'ai fait demi-tour. T'as fait demi-tour là? Ouais. Ouais, c'est peut-être pour ça. J'ai fait demi-tour en fait à gauche. Tu sais quand Mais le truc il est où? En fait, quand t'as vu la voiture quand il y avait les warnings, je t'ai même pas dit bonjour. Bah monte, monte, tu monteras. Monte. Vas-y. Ah bon? Il y a un. Moi j'ai rien vu. Là c'est surtout oui, en plus, momentané. C'est ça que je t'ai klaxonné mais tu m'as pas. Mais tu m'as non, je t'ai pas entendu. Bon, il paraît qu'il y a un autre endroit pour se garer. On va y aller. Alors on n'est pas du tout en talons. Si, Jeanne est en talons. Non, moi j'ai pas mis de talons. Ah, moi non plus. Je me suis dit pour danser, on ne met pas. Talons aiguilles comme ça, je sais pas comment on va faire. Ah, j'ai vu comment ils vont danser. Mais en tout cas, ce qui est très très sympa dans ce genre d'événement, c'est que vraiment c'est 100% femmes. Et là, vous pouvez vous éclater. S'il y en a qui préfèrent ne pas avoir d'hommes, qui sont voilés ou quoi que ce soit. Et bah ben là, vous serez tranquillou. T'es sûr que c'est un double sens? Il mène tout le monde égaré dans le même sens. Je sais pas, moi je l'ai pris en sens interdit. Oh mon Dieu, il mène. Ça se trouve, il m'a parlé, il m'a dit quelque chose. Ça se trouve? Ouais. Non, ça se trouve sûr même.
elle est en train de me faire prendre un sens interdit, je pense. Je pense. Avec Imen, je vois toujours de tout. Allez, madame. Allez, madame, il y a quand même un mal au volant. Une demi-heure pour mettre, pour faire 12 km. Pourquoi? Comment ça se fait? À Paris? Bah, elle est bouchée. Alors que j'ai, j'ai mis 40 minutes pour faire 80 km. Hier, 1h30, c'était bouché. Ah, mais ça m'étonne pas. 1h30 du matin. 1h30 du matin, bouché. Du matin, c'était bouché hier. On s'est garé, on vient d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez, on voit plein de petits points orange. De l'orange, de l'orange. Il y a de l'orange partout. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu vraiment le concept, vous dire encore une fois ce que j'en pense de l'endroit. Alors, il faut savoir que le resto dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai fait le samedi soir. Et donc, l'événement que vous venez de voir a été fait dimanche dans la journée. Donc, de 14h à 18h. Et finalement, en fait, ça a été de 15h à 19h. Ce qui était prévu, c'était 14h à 18h, mais ils ont eu une heure de retard. Donc, en fait, ils ont rattrapé l'heure de retard qu'ils avaient fait et on a fini à 19h. Alors, je vous explique exactement comment ça s'est passé quand on est arrivé. Ils vous donnent une boisson. Donc, le prix, c'est 35€ par personne. Vous ne payez rien à l'avance. Vous payez au moment où vous arrivez là-bas. Donc, il faut appeler. Vous avez un numéro de téléphone, vous appelez. La personne vous explique exactement comment ça se passe. Ensuite, vous envoyez un texto avec votre prénom et nom de famille. Parce que bah, des Fatima, il y en a 36 000. Des Laure, il y en a 36 000, etc. Donc, il faut le nom de famille pour qu'elle puisse vous reconnaître. Et quand vous arrivez, vous avez une table qui vous attend. Tout dépend le nombre que vous êtes. Il y a des personnes qui viennent seules. Hein. Il y a une table qui vous attend. Dans le prix, dans les 35€, vous avez une boisson comprise. C'est des boissons... c'est une boisson, voilà, c'est une bouteille de coca ouverte et on vous met ça dans des verres avec une paille. Voilà, vous pouvez manger sur place si vous le souhaitez, il y en a plein qui mangent sur place. Apparemment c'est du fait maison, les prix sont raisonnables, c'est entre 15€ et 20€ je crois le menu. Donc ça va, c'est raisonnable. Nous on n'a pas mangé sur place, nous on a mangé après en fait en sortant. On est parti manger, pour vous dire, on a mangé au Burger King. C'était la première fois de ma vie que je mangeais au Burger King. Oui, oui. Et on a mangé, ils ont des sandwichs végétariens. Et c'est, franchement, c'était super bon. C'est la première fois que j'ai testé de la viande végétarienne et c'était hyper bon.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse dans la parenthèse. Et donc, après, on vous donne du coup votre boisson. Retournons à l'après-midi. On vous donne votre boisson. Et vous avez par table une petite assiette où il y a plein de bonbons, du chocolat, des choses comme ça qui vous attendent pour passer un petit peu le temps. Quand on est arrivé, la musique, c'était plus de la musique actuelle. C'était un DJ. C'était vraiment ambiance boîte de nuit, 100% femmes. Les seuls hommes qui étaient là, c'était les chanteurs, les DJ et les vigiles. Voilà, les serveurs, c'était des serveuses. Après, il y avait, ouais, les agents de sécurité étaient des hommes. C'était les seuls hommes. Sinon, les personnes qui dansent, etc., c'est que des femmes. C'est 100% femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont voilées, qui étaient là. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de mamans. Voilà, vraiment des mamans d'un certain âge. Hein, il y en avait vraiment beaucoup. Vous avez des chichas, si vous le souhaitez, que vous pouvez prendre. Vous pouvez prendre une chicha. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, les deux premières heures, c'était vraiment 100% boîte de nuit actuelle avec DJ, etc. Et les deux dernières heures, c'était plus ambiance orientale. Il y a eu un chanteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous ai mis les images. Et ensuite, il y a eu un chanteur oriental qui fait un peu toutes les musiques orientales. Et tout le monde dansait. Enfin, voilà, c'était vraiment ambiance bon enfant entre femmes, sans jugement. Voilà, c'était très très sympa, vraiment c'était très sympa. Est-ce que moi je le referais? Peut-être pas, c'est pas vraiment ce qui me correspond. Moi j'aime bien, il y avait beaucoup beaucoup de monde, hein. Je crois que c'était, de ce qu'on m'a dit, il y avait à peu près 200 personnes. Pour moi c'était beaucoup trop, et c'était beaucoup trop ambiance boîte de nuit, enfin, il y avait trop de monde. La musique, si vous aimez la musique à fond, là vous êtes, vous êtes servis. Vraiment, si vous aimez la musique à fond, vous êtes servis. Moi je suis pas du genre à aimer la musique à fond à ce point là Il faut savoir que le resto, on est parti avant, il y avait la musique, on ne s'entendait pas trop parler, mais je trouvais que c'était encore raisonnable. Alors qu'hier, il y a des fois où je ne comprenais même pas en fait les chansons qui étaient chantées, tellement la musique était extrêmement forte, extrêmement forte. Donc si vous aimez ce genre d'ambiance, c'est parfait. Ça finit assez tôt, donc si vous avez des enfants en bas âge ou quoi que ce soit, c'est juste parfait. Si vous préférez sortir que d'après-midi, c'est très bien aussi. Alors, si vous voulez fêter des anniversaires, vous pouvez. Il y a eu beaucoup d'anniversaires de fêter. Il y a eu des mariages de fêter, enfin des mariages. Une personne qui allait se marier, qui est venue avec ses copines, etc. et qui a fait ça. Tout le monde dansait avec elle, hein. Toute la salle dansait avec la mariée. Toute la salle a dansé avec celle qui était... qui fêtait son anniversaire. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs anniversaires. Et il y en a une qui a fêté son divorce. Alors là, je peux vous dire que tout le monde s'est déchaîné avec la personne qui a fêté son divorce. Donc voilà, ces deux petites adresses qui, je pense, peuvent plaire, peuvent intéresser. La première est très familiale et la deuxième est 100% femme. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'essaye à chaque fois que je découvre une petite adresse comme ça ou quelque chose que je sais peut vous intéresser, je vous le partagerai. Un énorme gros bisou. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.